porter notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Je ne suis ni fatigué, ni malade, comme l'écrivent les journaux allemands. À ce qu'il paraît, les médecins se font journalistes. 71 et celle de 40-44, et vous savez pourquoi? Parce que l'occupant était sur le territoire, et quand l'occupant est sur le territoire, il fait payer. Et sachez-le, parce que là non plus, on ne le sait pas, il n'y a plus de réparation du tout, à partir de 1931, elles étaient déjà très légères. Et elles avaient toutes été transformées en dettes commerciales. Mais en 31, en juillet 31, à la faveur de la terrible crise qui semble sonner presque au-delà du capitalisme, parce que là il a eu un gros coup, hein, entre le printemps et l'été 31. Pas à cause des soviets, mais je dirais à cause de son propre mécanisme de destruction. En 31, il y a le moratoire Hoover, c'est-à-dire Hoover qui décide, pour préserver la créance américaine, d'arrêter les réparations. La créance privée américaine. Parce que c'est pas ça, les réparations. Donc, Hoover exige la fin du paiement des réparations. On est en juillet 31. L'Allemagne n'a plus jamais payé un sou de réparation. Et à la conférence de Lausanne de 1932, Herriot, l'homme de gauche Herriot, ministre pour quelques mois des Affaires étrangères, sanctionne définitivement cet abandon, puisque à cette conférence de Lausanne de la fin de 1932, il accepte que les réparations soit définitivement abandonné, au prix, dit-on, pour, je dirais, la galerie, d'un versement définitif de 3 milliards, qui n'aura jamais lieu. Donc, à la date de 1931, date à laquelle les réparations ont cessé définitivement d'être versées, l'Allemagne avait payé quelque chose qui était autour de 13% de ce qui avait été fixé entre 1920 et 1921 aux respectives conférences de Londres et de Spa. Voilà, comme ça, c'est clair. Merci. Ce n'est pas vrai. Quant aux réparations de l'après-Deuxième Guerre mondiale, je dirais que c'est une guignolerie encore plus spectaculaire. Et il s'est reproduit la même chose. C'est ça qui, si vous voulez, qui fait l'intérêt d'une étude de long terme. C'est ça qui permet de comprendre ce que c'est que l'Europe et l'Union européenne. Hein, en ne faisant pas commencer les choses en 1945. Il s'est donc produit dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale des phénomènes équivalents, à ceci près que, comme après la Deuxième Guerre mondiale, l'impérialisme américain était en position bien plus forte que après la Première Guerre mondiale, eh bien les réparations, elles ont été encore moins versées. Et vous savez pourquoi les États-Unis étaient contre les réparations ? Les États-Unis étaient contre les réparations
l'avaient montré leurs experts envoyés à Versailles en 1919 et qui étaient là pour venir exiger qu'il n'y eut pas de réparation. On va comprendre tout de suite, c'est clair comme c'est limpide. Les États-Unis voulaient s'installer en Europe à partir de l'Allemagne, qui était le pays le plus proche d'eux, avec lequel ils avaient des relations de capitaux les plus intenses, qui avait la composition capitalistique la plus proche d'eux, etc. Ils voulaient s'installer à partir de là. Ils voulaient investir en Allemagne, ce qu'ils ont fait. Vous imaginez bien qu'ils ne pouvaient pas accepter l'idée de réparation. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'était que les réparations ? Les réparations, c'était les vainqueurs européens qui demandaient aux vaincus européens de se payer sur la dette. Ben, et puis quoi encore ? C'est-à-dire qu'ils voulaient bien obtenir beaucoup d'avantages de l'Allemagne, mais ils ne voulaient pas qu'il sortît un sou qui alla dans la poche des rivaux. C'est-à-dire qu'ils étaient opposés aux réparations. Vous dites qu'il n'y a que les Français qui voulaient les réparations. Mais pensez-vous, les Anglais, hypocrites comme tout le monde est hypocrite. Hein. Bon, mais les Anglais, ils ont fait semblant de ne pas les aimer. Pourquoi ils ont fait semblant de ne pas les aimer ? Parce que les Américains les leur ont interdites. Mais des réparations, ils en auraient bien pris, les Anglais. Et puis ils auraient bien recommencé après la deuxième encore. Mais les États-Unis ont empêché tout le monde de toucher des réparations. Puisque les réparations n'allaient pas à eux, elles allaient à leurs rivaux français-anglais. Vous croyez vraiment qu'ils voulaient que leurs rivaux français et anglais, théoriques vainqueurs de la Première Guerre mondiale, tirassent parti de leur victoire ? Ben pas du tout ! Ils voulaient s'installer, ils voulaient quand même pas qu'on les... Voilà, hein, qu'on entrave à cette installation. Alors, ça s'est très mal passé pour les réparations la première fois, mais alors ça s'est passé de manière encore plus catastrophique pour la deuxième fois. Hein. Il faut quand même que vous ayez en tête que quand l'Union soviétique demande à Yalta les fameuses réparations... Oui, c'est ça, j'allais te proposer de parler de ça, parce qu'il faut imaginer quand même les dommages que l'Allemagne a fait subir à l'Union soviétique. En gros... C'est hallucinant. On peut même pas... Écoutez, destruction moi, je peux massive pas. À un point inimaginable. Bah, c'est bien ça, puis il n'y a plus rien en Europe. Hein. si vous êtes allé dans ce qu'est l'ancienne Union soviétique, moi, il se trouve que je suis assez âgé pour avoir connu ce qu'était l'Union soviétique. Hein, vous baladiez partout, vous voyez des musées reconstruits, mais il n'y avait rien en 1945. L'Europe était à terre. Alors, les estimations sont très simples. En gros, on ne peut pas jurer que l'une est plus pertinente que l'autre, mais grosso modo, c'est entre 200 et 400 milliards de dollars de pertes qu'a subi l'Union soviétique. L'Union soviétique, grosso modo, tout ce qu'elle avait accumulé depuis 28, elle l'avait perdu. Bon, elle s'était développée par ailleurs. C'est vrai qu'elle a développé un petit peu son industrie de l'Est. Enfin, elle s'est développée. La preuve, elle a quand même flanqué la pâtée aux Allemands sur une base qui était sa base industrielle, hein, qui n'était pas autre chose. Mais elle était en ruine. C'est pas compliqué, en ruine. Bon. C'est-à-dire qu'il faut que vous mesuriez que quand l'Union soviétique, à Yalta, finit par dire « Bon, eh ben, ce serait bien qu'il y ait des réparations, que nous ayons la moitié des réparations. » Je vous rappelle que, à la conférence de 1920, à la conférence de Londres qui a fixé les bénéficiaires de réparations, parce que vous voyez le topo et vous mesurez l'opposition des États-Unis aux réparations à la seule chronologie. Les réparations n'ont pas été fixées en 19. Elles ont été fixées pas avant 21. Tant que la France, elle a pu en prélever, elle en a prélevé. Mais c'était toujours pas fixé. Là, c'est-à-dire sur 2 ans, alors que si vous voulez, c'était clair, hein, on veut ci, on veut ci, on veut ça. C'est... Bon, les États-Unis avaient permis de retarder. Et en 1920, à la conférence de Londres, la France, détruite un peu. Enfin, c'est même pas comparable à la destruction de ce qu'est la destruction soviétique en 1945. La France a revendiqué et obtenu 52% des réparations. Donc vous voyez, c'était honnête quoi, quand l'Union soviétique, qui avait été plus détruite que tout le monde, et qui avait quand même porté l'essentiel de l'effort de la guerre,
a dit, moi, je voudrais 50% des réparations. Et qu'elle a demandé un montant total de réparation de 20 milliards de dollars. C'était même 10 milliards, dont 50% pour elle. C'est-à-dire, c'est ça les chiffres de Yalta. C'est-à-dire 10 milliards. Mais 10 milliards, c'était même pas 5% de ses pertes. C'est, si on va à 400 milliards, c'est quoi 2% de ses pertes. Elle ne les a pas eues. C'est-à-dire que personne pratiquement n'a eu de réparation. Et même, Fallait aider l'Allemagne. Mais même, je vais vous dire, c'est plus fort que ça. Nous avons, pour vous montrer à quel point d'ignorance nous en sommes en France, il y avait dans les années 1960, il y a eu des ouvrages américains, dont un, je pense à l'un d'entre eux qui n'a pas été traduit, et qui a été rédigé par un Américain qui était responsable, qui était au département d'État, et qui a été associé au corps d'occupation, au corps d'occupation américain, et qui a fait une étude comparée des prélèvements dans chaque zone. Des prélèvements zonaux, donc de chaque occupant, les quatre. Et bien vous savez ce qu'il a découvert? Il a découvert que dans la période de l'occupation, les États-Unis et l'Angleterre ont prélevé sur leur zone exactement le même pourcentage de PIB que les Français et les Soviétiques. Or, il y a eu toute une campagne américaine, sans arrêt, depuis 1945-1947, sur le thème « La France et les Soviétiques pillent l'Allemagne ». Écoutez, je vais vous donner un seul exemple. Un des projets américains les plus, je dirais, les plus violents, les plus efficaces, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Paperclip Project, le projet trombone. C'est-à-dire, vous savez, le projet qui a consisté à pomper toutes les découvertes scientifiques et militaires allemandes, hein, qui a donné lieu à une débauche d'ouvrages depuis les années 70. Je crois que le premier en titre, ou un des plus importants, enfin, un des pionniers, c'est le livre de... C'est un livre de 74. Je crois que c'est Clarence Cannon, mais je me trompe peut-être de nom. Montrait que ça avait représenté pour les États-Unis, en termes de vol de brevets, de gains. Si vous voulez, ça allait des procédés de l'U2, du V2, pardon, toutes les inventions militaires, tout ce qu'ils avaient raflé en allant sur place et même en allant au-delà de leur zone, puisqu'ils sont allés jusqu'au-delà de leur zone en Thuringe et en Saxe, avant que les Soviétiques ne s'installent, où ils ont raflé du matériel et des scientifiques. Ils ont raflé non seulement du matériel, mais des scientifiques. Il y en a parmi vous qui ont vu Dr. Strangelove, Dr. Folamour. Ben c'est ça, Dr. Folamour. C'est le projet Paperclip. C'est-à-dire, on pique les inventions et on pique les savants, les bons savants nazis. Von Braun. Ben voilà, ben c'est hein, celui qui fait le signe nazi. Là, Von Braun, voilà, qui, lui, c'est Von Braun. Il y a le vrai personnage de Von Braun, celui qui va envoyer les Américains sur la Lune. Voilà. Le projet Apollo, etc. Et il faut savoir que les Américains ont... Qui était un savant, un scientifique nazi. Rien qu'avec ça, ont, d'après l'ouvrage de 1974, ont récolté 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars. C'est plus que ce que les Soviétiques rêvaient d'avoir. C'est 40% de plus que ce que les Soviétiques requéraient à Yalta et dont ils n'ont eu quasiment rien. Rien. Donc, vous voyez ce que c'est? Des choses, il faut le mesurer quand même, des choses qu'on connaît sur le plan historiographique par les travaux anglophones depuis les années 60 ou 70,
Vous imaginez, vous voyez le niveau de connaissance de ces choses en France? Nul. Nul, parce que c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé dans les oreilles, vous n'avez qu'à regarder dans les oreilles, dans les yeux des auditeurs, des spectateurs. Ça ne leur est jamais arrivé. Par conséquent, vous pouvez continuer à seriner que les États-Unis ont libéré l'Europe, que l'Union soviétique a épuisé l'Allemagne. Pour être honnête, il faut quand même préciser que pendant longtemps, dans les années 60, où quand même c'était notoire qu'avait, tu évoques le Strangelove, Docteur Follamour en français, c'est quand même très connu, mais on expliquait qu'à l'époque, certes, les Américains avaient récupéré les soviétiques aussi, mais que les soviétiques en avaient fait autant, ce qui est complètement faux. Que oui, ils n'ont rien eu. Alors, d'ailleurs, l'ouvrage de 74 le montrait et avec quelques chocs, si vous voulez. Plus ils avaient été nazis, et ils étaient tous nazis, les scientifiques allemands, hein, parce que de toute façon, ceux qui n'étaient pas nazis, ils étaient migré, partis. Hein. Bon, quand ils n'étaient pas morts, ils étaient. Vous savez d'ailleurs que c'est eux qui ont concouru au fameux projet Manhattan, c'est-à-dire à la bombe américaine. Hein, la bombe américaine, c'est une bombe d'origine étrangère. Bon, eh bien, ils ont eu l'apport d'abord des scientifiques étrangers et ce que montre très bien le livre de 74, c'est que ça a été une embrassade immédiate. C'est-à-dire que les Américains sont arrivés et les savants nazis leur sont tombés dans les bras en disant « Ah, on continue le combat anti-bolchevique, on se met chez vous ». Et ils ont été, qui le sait en France, et ils ont été immédiatement envoyé entre avril et mai 45, m'entendez, avril, parce que les Américains, ils sont là déjà à partir du printemps 45, hein, avant la capitulation allemande. Eh bien, ramassés entre avril et mai, ils ont été envoyés dans les centres américains requis et par conséquent, pu commencer leurs travaux et assurer aux États-Unis l'essentiel. Qu'est-ce qu'ont eu les soviétiques? Ils ont eu des petits bidules, hein, ils ont eu des petits trucs. Ils ont eu quelques techniciens, mais ils n'ont eu aucun des grands scientifiques. Ils sont tous partis auprès des États-Unis, tous. Donc les soviétiques ont eu quelques petites babioles, mais des clopinettes. Les soviétiques n'ont rien eu de rien. Vous avez une espèce de mastodonte. Je vais vous donner un dernier exemple. On est un peu loin de l'Europe, mais finalement on est quand même très près. Un extraordinaire exemple, qui est celui de l'or volé, figurez-vous. C'est-à-dire que les Américains, manifestement guidés par leurs amis hitlériens, ont été orientés sur les mines de Thuringe, les mines de Merkel, des mines de sel qui étaient désaffectées et dont les kilomètres... D'après une estimation que j'ai, ça me semble loufoque, mais on parle de 500 km de souterrain, ça me semble loufoque. Mais bref, ce qui est sûr, c'est qu'on a un dossier énorme, on a un dossier à la Banque de France qui est absolument gigantesque et qui montre comment. Ils ont donc été avisés que la banque centrale allemande, la Reichsbank, avait évacué tout l'or qui était de l'or volé, et en particulier l'or belge volé, dont il restait la moitié, enfin volé, donné par les Français un peu gentiment quand même. Il restait la moitié, il restait 100 tonnes. Hein. Donc les États-Unis ont été avisés que ça avait été évacué sur la Thuringe. Avant que les Soviétiques n'arrivent à son Thuringe, ils se sont pointés et ils ont embarqué la totalité des réserves d'or. Quand les Soviétiques sont arrivés dans leur zone, il n'y avait plus rien. Et je peux vous dire que la réalité de tout ça est avérée. Il y a un dossier fabuleux sur l'or belge à la Banque de France, dont j'ai déjà exploité une partie, mais dont malheureusement je n'ai pas encore exploité cette partie. C'est lunaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, les avantages tirés par les États-Unis de la Deuxième Guerre mondiale sont d'une ampleur telle que nul n'en a idée, parce que, évidemment, c'est rarement révélé. Alors,
tout ça m'a mené, oui, en plus j'ai 7h10, alors ça ne doit pas être exactement ça. Est-ce que je peux te poser une question pour nous ramener aux Anglais par le biais de la question que tu viens d'aborder? C'est que, certes, les Soviétiques n'ont pas eu les scientifiques allemands, mais ils ont eu, tu vas voir où je veux en venir, parce que ça amène au rapport que les Anglais ont avec ces questions-là depuis l'avant-guerre, la guerre et ensuite, beaucoup d'espions anglais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le parcours idéologique de beaucoup d'entre eux, qui est bien connu maintenant, et qui est lié au rapport de classe qui existait, y compris dans les universités anglaises. Tu veux parler du réseau d'espionnage. J'évoque ce point-là parce que ça permet de... on va pas aborder toute la question du Brexit et du rapport des Anglais, bien que j'aimerais, ce serait bien que tu puisses évoquer certains des points que tu as évoqués au début là, à propos des Anglais, mais le rapport que les Anglais ont à l'Europe, à la construction européenne, à l'impérialisme américain et à toutes les questions que je viens d'aborder, pour toutes les raisons qu'a déjà exposées Annie, est assez différent d'une autre. Il n'y a pas seulement les questions de homogénéité de langue et autres. Mais il y a des motifs d'hostilité qui sont bien souvent, y compris qui sont des motifs d'intérêt économique et autres, dans la classe dirigeante. Tu peux peut-être en parler. Il faut savoir que l'essentiel de la classe dirigeante aristocratique anglaise était non seulement favorable à l'Allemagne, mais favorable aux nazis, clairement, explicitement. Au revoir. Et que ça a créé justement chez certains d'entre eux, ce qu'on aurait pu appeler les intellectuels de gauche anglais, c'est ce qui a suscité ces défections et tous ces espions anglais de haut niveau, issus apparemment de la gentry britannique. Si j'évoque ce point un petit peu anecdotique, c'est pour revenir à aux préventions que pouvaient avoir les Anglais, depuis l'époque d'ailleurs, et ensuite, et qui est un des éléments du contexte actuel, les raisons que tu as commencé à évoquer pour lesquelles les Anglais étaient très réticents, y compris à la construction européenne au début, qui ne sont pas les mêmes évidemment, toutes ces sortes de choses. Est-ce que tu peux essayer d'aborder cet aspect des choses ? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a le fait qui est complètement sous-estimé chez nous, qui est bien connu dans la production anglophone, et là il faut le dire, pas seulement chez les révisionnistes, même chez des gens très traditionnalistes. Il y a ce qui est très bien résumé, je vous le dis parce que c'est quand même rare qu'on ait une synthèse en français, une synthèse honnête comme ça, qui est bien résumée par un bouquin qui a été publié chez Colin il y a une vingtaine d'années, qui doit dater de 93, de Patrick Farnetti, et qui s'appelle les relations, la politique extérieure ou les relations extérieures de l'Angleterre du 19e siècle à nos jours. Vous voyez, on peut ne pas le deviner, mais c'est essentiellement consacré aux rivalités américano-britanniques. En fait, si vous voulez, comme on a, nous, en France, une historiographie de guerre froide, qui nous met la tête comme ça, avec l'orgue de barbarie de l'Union soviétique, du péril rouge, patati, on ignore l'essentiel. Or, l'essentiel, qui est par exemple très bien analysé par le livre de Kolko sur les limites de l'impérialisme américain, non traduit non plus, The Limits of American Imperialism, qui porte sur la période 45-54, ce qu'on ne mesure pas chez nous, parce qu'on ne nous le dit pas, les historiens français nous expliquent que les États-Unis ont toujours soutenu l'Angleterre, voilà, dans les deux guerres. En fait, comme le dit très bien Kolko, comme le montre très bien Farnetti, le grand combat du XXe siècle, c'est le combat des États-Unis contre l'Angleterre. Il est encore plus fort que le combat contre l'impérialisme faible russe, parce qu'il faut le savoir. Ça, c'est le cœur de la thèse de William Appleman Williams sur les relations entre la Russie et les États-Unis. Ce que montrait William Appleman Williams, c'est que les relations entre la Russie et les États-Unis se sont gâtées à partir de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à l'ère impérialiste, quand les États-Unis ont voulu conquérir toute l'Asie et que
la Russie, elle voulait elle aussi son petit morceau dans la zone chinoise, qu'elle avait son chemin de fer de l'Est chinois et qu'elle y tenait dur comme fer. C'est là que ça a commencé. Et la thèse, l'intérêt, entre autres, de la thèse de Williams, c'est de montrer que tout ça n'est pas idéologique, pas plus que n'était idéologique la très violente opposition entre la Russie, même à l'ère pré-impérialiste, entre la Russie et le capitalisme britannique, qui, vous le savez, était en conflit en Asie centrale, hein, et se disputait en particulier le pétrole perse, le pétrole iranien. Pensez bien que la Grande-Bretagne, elle a commencé à être anti-russe bien avant d'être anti-soviétique. Là, les États-Unis ont commencé à être anti-russes bien avant l'ère soviétique. Et les États-Unis ont été anti-anglais, je dirais, depuis qu'ils ont, évidemment, d'abord dans l'acquisition de l'indépendance, mais d'une manière encore plus violente à l'époque impérialiste. Or, vous avez tout ce courant divers. Bien sûr, il y a le courant de gauche dedans, mais très au-delà du courant de gauche, vous avez des conservateurs britanniques qui ont très bien analysé ça avant les anti-Europe, hein, je peux vous dire, qui ont montré que finalement les États-Unis ont boulotté par tous les côtés l'Angleterre. C'est-à-dire, vous avez une foule d'études qui montrent comment les États-Unis ont été en mesure de manger l'Empire britannique. Mais regardez comme ça s'est fait vite. Vous vous rendez compte quand même que la Grande-Bretagne, elle doit lâcher l'Inde en 1947. Et moi, j'ai montré par un travail sur les protectorats dans quelle mesure la France avait gagné un sursis. Et pourquoi elle a gagné un sursis, la France, en Afrique du Nord, et elle a gagné un sursis parce que vous imaginez un mouvement d'indépendance qui aurait dit directement, bah, vous inquiétez pas, là les bases, on les passe des Français aux Américains, ça aurait fait bien. Vous voyez le néo-destour en Tunisie donnant directement ses bases aux Américains, tout ça, il était quand même mieux que les Américains fissent mine de défendre l'indépendance pendant que les Français occupaient les bases et que les Américains finalement les occupaient. Hein. Parce que moi j'ai montré comment les Américains ont occupé et continué à occuper les bases marocaines, les bases algériennes dans lesquelles ils s'étaient installés et qui étaient leurs bases. Hein. Donc vous voyez, la France a gagné un petit poil de sursis, mais les Britanniques, dites donc, ils n'ont pas eu beaucoup de sursis. Hein. Le gros morceau, il a quand même fallu qu'ils le lâchent en 1947. Et vous croyez franchement qu'ils avaient envie de le lâcher? Mais pas du tout. Par conséquent, vous aviez ces rivalités très fortes avec les Américains. Ça, c'est une toile de fond très importante. Alors vous me direz, c'est extraordinaire, puisqu'on a l'impression finalement que la Grande-Bretagne, elle est purement caniche. Hein, alors évidemment, ces dernières années, ça a pris un développement faramineux. Hein, que quand vous voyez Blair, on a l'impression vraiment que c'était le caniche derrière son maître. Bon, mais il n'empêche, quand vous regardez même des gens, je pense à Roland Marx, qui était lui aussi un historien de synthèse, j'allais dire, qui a fait ses bouquins sur l'Angleterre. Même Roland Marx, qui était un historien très conservateur, français, et ça vous montre d'ailleurs comment, il y a 40 ans, les plus conservateurs, quand même, n'étaient pas aveugles, il montre comment les négociations anglo-américaines de la guerre ont été terribles. Parce que vous savez que quand les Américains ont conclu le fameux premier accord de Lend-Lease, de prêt et bail, et vous savez ce que c'est que le prêt et bail, c'est, hein, au lieu de nous acheter les armes comptant, on va vous les vendre à crédit. Parce que c'est comme ça que l'Angleterre, elle a pu mener la guerre. Hein ? Elle s'était mise, l'Angleterre, dans l'incapacité totale de conduire une guerre contre son rival allemand, ça c'est clair. Hein ? Bon. Donc, la différence entre la bourgeoisie française et la bourgeoisie britannique, c'est que la bourgeoisie britannique, qui a été à un moment très profondément partagée, Dominique a rappelé tout à l'heure l'importance du courant pro-allemand et du courant pro-nazi. Vous savez ce que c'est que l'importance de ce courant pro-allemand et pro-nazi ? Il y a un pan considérable de la très grande bourgeoisie et de l'aristocratie britannique qui ont été nazis jusqu'à l'os et jusque très tard, puisque le projet allemand,
c'est d'installer le fameux... Vous savez, on en a récemment parlé, la rainette, là, en 46, là, qui... en 36, pardon, j'exagère. En 46, elle ne pouvait plus faire. Qui, en 37, faisait le signe hitlérien à côté de Tonton. C'est-à-dire du duc de Windsor, de l'ancien Édouard VIII. En fait, vous aviez tout un courant de l'aristocratie britannique qui avait décidé, qui rêvait finalement, hein, qui avait décidé qu'on pouvait passer un compromis avec l'Allemagne parce qu'on lui laisserait pratiquement toute l'Europe, pratiquement tout. Et puis elle laisserait l'Empire. Elle nous laisserait l'Empire. Le problème, c'est que ce n'est pas exactement ce que voulait l'Allemagne. Mais c'était ça le calcul. Et le projet des Allemands, c'était d'avoir leur Roitelet, là, avec son espionne allemande, puisque Dame Simpson était, l'américaine Simpson, était tellement une espionne allemande que quand il y avait un conseil de cabinet le matin, une heure après... l'ambassadeur à Londres, von Ribbentrop, était tout à fait au courant, hein, parce que c'est ça la véritable histoire de Windsor, hein, c'est qu'il a dû abdiquer parce que l'indécence de son ralliement à l'Allemagne hitlérienne finissait quand même par être un petit peu délicat, d'autant que l'Allemagne hitlérienne, elle ne voulait pas lâcher l'Empire non plus. Elle voulait tout, elle aussi. L'Allemagne voulait tout aussi. Donc, si vous voulez, ça a duré jusqu'en 1938. Et le projet allemand, c'était contre Churchill, mais qui avait été longtemps apaiseur aussi. Et ne parlons pas d'Eden, qui a été apaiseur au moins jusqu'en avril 1938, jusqu'à la crise d'avril 1938. Hein, apaiseur, il a tout laissé. Si vous me lisez, si vous lisez Le choix de la défaite, vous verrez comment Eden, il voulait résister aux Hitlériens. En 37, quand il disait aux Français, mais lâchez la Tchécoslovaquie, enfin, il faut que Beneš soit gentil avec les Sudètes. Bon, donc c'est allé très loin, jusqu'en 37-38. Mais il y a un moment où les Anglais ont perçu que finalement, il n'y aurait pas de compromis possible. Mais je vous signale quand même que c'est le calcul de l'impérialisme anglais avant la Première Guerre mondiale, car vous savez ce qu'a fait l'impérialisme anglais avant la Première Guerre mondiale. Il y a une extraordinaire comparaison faite par notre ambassadeur à Londres qui s'appelle Corbin en 37, justement quand les Anglais disent on lâche tout, on lâche la Tchécoslovaquie, Hitler, pas de problème, l'Autriche n'en parlons pas, c'est une formalité. Et à ce moment-là, notre ambassadeur dit, c'est très simple, il y a Halifax, qui n'est pas encore ministre des Affaires étrangères, qui est chancelier de l'échiquier, je ne sais plus si est chancelier de l'échiquier, je crois, où il a une autre fonction, juste avant qu'en avril 1938, il ne prenne les Affaires étrangères. Et donc, on est fin 37, il s'en va faire un petit voyage à Berlin. Tout va bien, on négocie, et notre ambassadeur dit, mais c'est extraordinaire, cette visite, c'est la visite de Lord Haldane en 1912, et vous savez ce qui s'était passé en 1912? Ils étaient allés négocier entre Allemands et Anglais, et les Anglais avaient dit, écoutez, on peut passer un compromis, vous aurez les colonies portugaises, vous aurez les colonies françaises, les colonies belges, mais pas les nôtres. Est-ce qu'on peut passer un compromis sur cette base? Eh bien non, les Allemands voulaient tout. Et en 1937, c'était ça les termes du compromis. C'était, d'ailleurs on le voit très bien, moi je raconte la conversation des 29 et 30 novembre 1937. À un moment les Anglais, ils donnent, vous savez, le grand résistant, ils donnent, qui dit aux Français, avec tous ses petits camarades, Chamberlain et tout ça, tout le monde est là, qui dit aux Français, non, écoutez, alors nous, nos colonies, on ne peut pas les céder aux Allemands, parce que les nôtres sont stratégiques. Mais vous, cédez les vôtres. Vous voyez? Mais ça dure pratiquement
La césure, c'est 38-39. Churchill avait commencé... Parce que Churchill, c'est l'homme de l'Empire. Hein, vous savez bien, il a été, il s'est occupé de la Navy, voilà, voilà, c'est l'homme de l'Empire. Bon. Et ben, l'homme de l'Empire, il a été apaiseur pendant très longtemps, et puis finalement, le gros morceau qui ne peut pas passer, c'est l'Empire. Alors, vous avez des tendances pro-allemandes dans le milieu britannique, mais vous avez des tendances très anti-allemandes dans certains milieux aristocratiques, en particulier dans ces milieux qui ne veulent pas la liquidation de l'impérialisme britannique. Et puis vous avez un facteur que vous devez prendre en compte, parce que c'est un facteur qui nous touche aussi, c'est-à-dire ce qu'a été le retentissement de la révolution bolchevique dans les couches intellectuelles, oui, qui sont forcément d'essence aristocratique ou haute bourgeoise. Qui est-ce qui fait des études dans l'entre-deux-guerres? Ben alors pensez donc, en Angleterre, c'est encore pire. Je ne sais pas si on peut dire que c'est pire qu'en France, mais c'est presque pire qu'en France. Un système ultra-aristocratique, vous ne pouvez pas avoir un enfant d'origine populaire. Naturellement, de toute façon, la question ne se pose pas. Elles ne vont pas dans les public schools, puisque les public schools ne sont pas des public schools, hein, ne sont pas des écoles publiques, mais des écoles payantes. Donc vous avez des jeunes gens, il y en a eu chez nous aussi, qui sont d'origine bourgeoise, et puis le retentissement de la révolution a été tel, et puis dans ces périodes de crise où est mise en cause l'argent, toute une série d'éléments, très certainement aussi les phénomènes de marginalisation auxquels pouvaient conduire la répression sexuelle, par exemple, le fait que il y ait eu un puritanisme qui était insupportable. Et puis les Français n'imaginent pas, voilà, le rapport de la violence du rapport de classe anglais, surtout à cette époque-là, à l'époque. Alors ces intellectuels qu'ils ont avaient des exigences morales qui étaient idéalistes, fascinés, même s'ils venaient de la très grande bourgeoisie, par la révolution bolchevique, mais étaient surtout motivés par l'aversion profonde que suscitait cette classe dirigeante anglaise de l'époque. Oui. On n'en a pas une idée. Le mépris, Et puis le mépris culturel pour les États-Unis aussi. La violence vis-à-vis des classes populaires, qui n'a pas d'équivalent quand même chez nous en France. Hein. Enfin, ça existe, mais pas de cette manière-là et pas de manière instituée comme c'est en Angleterre. Alors ça, c'est un des points importants qui explique. Il y a le nationalisme anglais, mais je voudrais citer, pour être beaucoup plus proche de nous, c'est un commentaire que j'ai entendu à la radio, qui est très amusant, parce que qui permet de mesurer à quel point on raconte n'importe quoi, y compris sur nos voisins anglais, en France aujourd'hui et sur la période récente. C'est que à propos de la campagne du Brexit, juste avant qu'il y ait l'assassinat de la députée anglaise, on expliquait, comme vous le savez, il y avait un tournant décisif qui semblait être pris avec une forte majorité des intentions de vote en faveur de la sortie de l'Union européenne, puisque le Sun avait pris position, ce qui ne fait très rarement, il y a une semaine, pour la sortie de l'Union européenne. Et il y avait un commentaire qui était assez pittoresque, parce que venant pas spécialement d'un bolchevique ou même de quelqu'un de gauche, même s'il se prétend, je ne sais plus qui c'était, un des commentateurs de France Inter, c'était très, donc vous imaginez, sur France Inter, on ne peut pas dire qu'on soit très à gauche, et pas spécialement anti-européen, et alors il donnait la parole, je crois qu'il donnait la parole à un Anglais qui parlait parfaitement français, ou peu importe, et qui expliquait l'anecdote suivante, qui était que une des grosses erreurs des défenseurs du Remain, de rester en Europe, qui était en gros la City, hein, avec, on y trouve aussi les travaillistes, enfin toutes sortes de gens, mais enfin les sponsors, c'est avant tout les milieux d'affaires, évidemment, certains milieux d'affaires anglais, anglo-américains en réalité, avaient eu la mauvaise idée de faire intervenir à la télé Tony Blair et John Major. Et il dit c'était complètement idiot,
vis-à-vis du public anglais, parce que Tony Blair est le premier ministre le plus détesté de l'histoire moderne, bien plus que Thatcher, par exemple. Thatcher, qui n'était pas spécialement aimé non plus, pas par les mêmes. Mais Tony Blair est absolument vomi par l'essentiel. C'est l'aspect caniche. Or, Tony Blair, c'est vraiment l'archétype de l'européen type, de gauche, moderne, etc., qui a modernisé le modèle d'une bonne partie de notre classe politique française, comme vous savez. Mais je citais ça pour évoquer le fait que il faut vraiment se mettre à la se faire un petit lavage de cerveau quand on essaie de réfléchir ces questions de pro ou anti-européennes vues du point de vue des Anglais avec les rapports de classe et les rapports politiques qu'on a l'habitude d'avoir. Parce qu'on voit très bien pourquoi les Anglais ont été anti-européens dans l'après-guerre. Moi, je le montre et je le montre plus évidemment dans la nouvelle édition. C'est que l'objectif des Anglais, l'objectif de survie de l'impérialisme anglais, c'est d'essayer de préserver l'essentiel de l'Empire, et c'est la perception que cette Europe, elle représente à la fois le rival allemand et le rival américain qui leur mange de la laine partout sur le dos. Et j'évoquais tout à l'heure les capacités de résistance. Pourquoi est-ce que l'Angleterre était encore capable de dire non? Parce que, par exemple, quand les Américains ont décrété l'interdiction du commerce Est-Ouest, qui leur permettait de dominer la totalité du commerce européen, les Anglais ont dit « Bon, ben, c'est très bien. Vous nous trouvez un marché pour notre caoutchouc ?» Parce que, si vous voulez, c'était le problème de l'Angleterre. Une de ses énormes ressources, c'était les VA de son empire. C'est-à-dire qu'elle avait du caoutchouc naturel, et alors les Soviétiques et l'ensemble du camp de l'Est, toujours très acheteurs, disaient très bien, nous, envoyez-nous du caoutchouc. Puis les Américains faisaient la glose anti-soviétique. Vous savez ce que c'était que les listes de l'interdiction du commerce Est-Ouest? Les fers à repasser étaient considérés comme matériel stratégique. Mais on en a en plus une idée très présente, les fameuses sanctions matériel contre les Russes aujourd'hui. C'est la même chose. C'est exactement pareil, avec la même absurdité totale du point de vue économique pour les économies européennes. C'est ahurissant l'histoire. On imagine facilement cette stupidité puisqu'on reproduit exactement les mêmes aujourd'hui. Alors, pour vous dire d'ailleurs à quel point les États-Unis se sentaient sur une pente glissante, jamais, jamais les listes n'ont été publiées. Elles étaient clandestines, les listes. Évidemment, elles comprenaient tout. Alors, on a eu des fuites. Il y a en particulier un très bon ouvrage suédois de 69 que je cite souvent, parce que moi, j'ai fait un bouquin sur la Suède en montrant, il y a 25 ans, presque 25 ans, un bouquin qui montre comment la Suède s'est trouvée. Comment la Suède a été littéralement ravagée par les exigences américaines au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la Suède était ressortie riche comme Crésus de la guerre, et la Suède, elle s'est retrouvée dans les griffes des États-Unis. En 1948, elle ne pouvait plus importer de café. Et vous savez quel était le pays qui buvait le plus de café? C'est en travaillant sur la Suède que je l'ai appris, d'ailleurs. Qui buvait le plus de café dans le monde, c'était la Suède. Et bien en 1948, il n'y avait plus de devises. Et moi j'ai expliqué dans mon bouquin sur la Suède comment ça s'était fait, comment est-ce qu'un pays qui sort, vous pensez si la Suède capitaliste s'était enrichie, elle avait gavé l'Allemagne, elle était aussi neutre que... Oui, c'est ça, j'allais dire la Suède neutre. Bah oui, vous savez comment la Suède aidait l'Allemagne, entre autres, hein. Elle faisait des systèmes de trains. Alors vous aviez un train avec les armes des soldats de la Wehrmacht, et puis un train avec les soldats de la Wehrmacht sans armes. Voilà comment elle était neutre à l'égard. Elle était neutre, ça veut dire elle était bien avec tout le monde. Voilà. Oui, enfin elle était très mal. Non, pas, elle n'était pas bien du tout avec tout le monde. Elle était comme la Suisse. Elle était plutôt très mal avec l'Union soviétique. Elle était très très bien. Avec les autres. Voilà. Et par conséquent, vous avez avec la Suède une espèce de véritable cas type de la crise dans laquelle la tutelle américaine a mis
les pays dont l'essentiel de la prospérité reposait sur le commerce Est-Ouest. Mais ça, personne ne le sait. Parce que vous savez que pendant des années, on nous a bassinés avec le fameux dollar gap. Et on manquait de dollars. Pourquoi on manquait de dollars ? On manquait de dollars parce que les États-Unis avaient contraint tout le monde à commercer en dollars. Mais personne ne voulait commercer en dollars. Parce que dans la crise, comment on avait commercé ? On avait commercé sur la base du clearing, c'est-à-dire hors devise. Plus personne, beaucoup de pays n'avaient plus de devises. Pas plus personne, mais un certain nombre de pays n'avaient plus de devises. Comment on faisait ? C'était la base du commerce extérieur allemand des années 30. C'est-à-dire, voilà, on s'échange des marchandises. Du troc. Ouais, c'était du troc. Et alors mes collègues européens dans l'arme disant « Oh, ce vieux troc, idiot, pas moderne », pensez que je ne sais pas s'il était idiot ou pas moderne, comme disait Bossua, mais je peux vous dire que tout le monde l'aimait. Et quand les États-Unis, le livre de Colco le montre admirablement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce livre montre comment, quand les États-Unis ont vraiment exigé la mise en œuvre des accords de Bretton Woods, ça a été une catastrophe pour une série de pays, dont la Suède. Parce que ça a provoqué, évidemment, comment est-ce qu'on pouvait payer en dollars ? Vous allez tout de suite comprendre. Il fallait payer en dollars, mais les États-Unis étaient ultra-protectionnistes. C'est-à-dire qu'il y avait un mur, hein. Vous ne pouviez pas vendre de produits industriels aux États-Unis dans les années 40. C'était impossible. Donc comment vouliez-vous vous procurer des dollars ? Vous ne pouviez pas vous procurer de dollars par un commerce européo-américain normal. Donc bien sûr qu'ils se sont mis à avoir du dollar gap, puisqu'ils étaient contraints de commercer en dollars. Or, tous les accords antérieurs étaient des accords hors dollars, étaient des accords sur la base du clearing. Donc, en pleine guerre froide, tous les pays très occidentaux n'arrêtaient pas de hurler contre les soviets, mais passaient discrètement des accords avec l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique passait des accords sur la base du clearing. Moi, je te vends du charbon, toi, tu m'envoies tes locomotives, et tout marchait très bien comme ça. Et donc, la Suède, c'est ce qu'elle a fait, en 1946, elle a passé un accord avec l'Union soviétique, un accord d'un avantage, elle n'a jamais pu le mettre en exécution, parce que les États-Unis ont mené la sarabande, se sont appuyés bien entendu sur les milieux les plus pro-américains, les plus dépendants des États-Unis, et la Suède s'est retrouvée sans devise en 1948. Et la Suède n'a pas pu, en 1948, assurer à sa population le café. Les États-Unis, d'ailleurs, s'arrangeant pour faire valser tous les ministres qui ne leur convenaient pas. Au point d'ailleurs que tel ministre qui ne leur convenait pas et qui a disparu dans un accident d'avion, on peut penser qu'il lui est arrivé ce qui est arrivé à l'Italien, comment il s'appelait, Mattei, qui voulait organiser son commerce pétrolier en dehors des États-Unis. Ce sont des pans complètement ignoré de l'histoire de l'Europe, on est 40 ans après, ou 60 ans après, avec tous les éléments pour connaître, et finalement, on ne sait pas, parce que rien n'est traduit, parce que rien n'apparaît dans l'enseignement du secondaire, mais je nous ai conduit un peu tard, ce qui fait que je voulais vous faire une présentation de Schumann. Ben, il faudra que vous me lisiez pour voir. Non, on va pas faire une soirée. Depuis le temps qu'on le dit, on fait une soirée Schumann. Parce que ce Schumann, écoutez, franchement, il met. Mais pas ce soir, c'est vrai qu'il est tard. Il gagne à être reconnu. Mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse de plus en plus à cette dimension. Proliférant de ce que c'est qu'un impérialisme dominant. Et du moment où un pays est en mesure d'exercer sur des pays dominés une influence dont on ne saurait exagérer l'importance, et si vous voulez, en mettant les gens en situation d'impuissance, parce que ce sont des questions complètement taboues. Réfléchir surtout celle des agents d'influence. Voilà.
réfléchir aujourd'hui. Schumann, bon, Dieu voilà. Et son âme. Non, mais il y en a d'aujourd'hui voilà. Très voilà. Actifs. Voilà. Et il y a de tout. Il y a des universitaires, il y a des journalistes, il y a des hommes politiques, il y a des financiers. C'est-à-dire que vous avez une situation qu'on connaît, je le disais, pour certains pays dépendants, qu'on accepte tout à fait, d'ailleurs, pour les années 30, parce qu'on sait très bien que l'Allemagne n'a envahi facilement certains pays que parce que l'impérialisme allemand les avait pourris de l'intérieur, parce que le puissant les avait pourris de l'intérieur. Mais il faut bien mesurer que nous sommes dans une situation de ce type et bien plus profonde encore. Si vous voulez, regardez le seul phénomène de la langue. Alors que l'influence allemande était considérable, alors que la France était, comme dit Alexander Werth, gleichschalté, c'est-à-dire que la France était mise au pas avant même que le premier soldat de la Wehrmacht n'eût franchi les frontières. Est-ce que on était, du point de vue linguistique, dans une situation comparable à ce que nous sommes aujourd'hui? Non. Absolument pas. C'est-à-dire que il y avait bien des classes dirigeantes qui parlaient l'allemand. Enfin, écoutez, l'allemand n'a jamais été en situation dominante en France au point où est aujourd'hui l'anglais, qui est la langue du maître. C'est-à-dire que... L'anglais, une espèce de globiche, un voilà, salir immonde. Voilà, pas de l'anglais, en plus. Mais je veux dire la langue du dominant. Et alors même que nous sommes... par énormément d'aspects, en réelle incapacité d'analyser le phénomène, parce que analyser le phénomène fait entrer dans la sphère du tabou. On n'a pas le droit d'y mettre les pieds, on ne peut pas en faire une étude scientifique. Vous voyez, parmi les très bons livres qu'a fait Christopher Simpson, un auteur américain que... Émeric Monville fait traduire là et dont il va publier l'extraordinaire bouquin de la fin des années... c'est 89 on a dit, c'est ça? La première édition. Hein, c'est ça. L'ouvrage de 89 qui s'appelle Blowback, hein, c'est-à-dire Feu en retour... Retour de flamme. C'est vrai que c'est retour de flamme. C'est pas si parlant que blowback en anglais. Je cherche une bonne traduction. En tout cas, il a fait un ouvrage remarquable qui s'appelle Les universités et l'empire. C'est-à-dire qu'il montre ce qu'est le rôle du milieu universitaire dans la création d'une atmosphère propice à l'expansion impériale, à l'expansion impérialiste. C'est un livre stupéfiant. Pour le coup, d'ailleurs, ce n'est pas un livre de lui tout seul, c'est un livre de communication. Et il montre, par exemple, comment les universités les plus prestigieuses, comment Harvard a été la cheftaine des études antisoviétiques et de l'action antisoviétique, comment telle autre université a été la cheville ouvrière de ce qu'on appelle la contre-insurrection, c'est-à-dire la guerre épouvantable menée contre le Vietnam, hein, comment les universitaires étaient mobilisés par l'étude, par le développement idéologique, par la propagande, etc. Vous n'avez aucun équivalent chez nous de ce que peut être, par exemple, l'influence exercée sur l'université et par l'université. Rien d'équivalent. Et Dieu sait qu'il y a de la matière, pourtant. Et voilà. Hein? Quel rôle joue l'université? Quelles sont les attaches des journalistes? Quelles sont les attaches des hommes politiques? Qui les finance? Regardez, le seul livre... Je ne sais pas si vous le connaissez, il a d'ailleurs été publié, je crois, non pas je crois, j'en suis sûr, il a été publié en français avant d'être publié en anglais. C'est le livre de Irwin Wall sur les relations franco-américaines 45-54. Vous y voyez un spectacle invraisemblable, tout à fait correct, à beaucoup d'égards, c'est-à-dire d'hommes politiques de la gauche non communiste
à l'extrême droite qui sont collés à l'ambassade américaine de 0 à 24 heures. Ils y passent même la nuit. Il n'y a pas une question qu'ils ne soumettent pas à l'ambassade américaine. Mon collègue n'est pas un grand subversif. Il y a un bouquin comme ça, qui a été fait par un Américain, qui n'a rien suscité, qui n'a pas fait école en France, de même que moi, on ne peut pas dire, c'est le moins qu'on puisse dire, que j'ai fait école. C'est-à-dire que vous avez un vrai tabou là-dessus. Et par conséquent, des choses que nous devrions connaître, nous ne pouvons pas les connaître. Voilà. Pour les jeunes étudiants en histoire, il y a un champ entier qui a été laissé libre par vos prédécesseurs. Oui. Contraint forcé. Il y a 30 ans, là, c'est vrai qu'il y a 30 ans qui nous mettent dans une situation d'impuissance, d'incapacité d'explication, parce qu'une chose est de se lamenter sur ce qu'est devenu la politique extérieure française, une autre chose est de voir comment la politique extérieure française est devenue, la politique extérieure française à l'égard des États-Unis reproduit absolument ce qui s'est passé dans la politique extérieure française à l'égard de l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, on a les moyens. Remarquez, vous me direz, c'est pas un très grand champ d'études en France non plus. Et pourtant, on a toutes les sources pour étudier ça. Tout. Et on ne l'étudie pas. C'est le lot des pays dépendants. Finalement, dans les pays impérialistes dominants, vous avez un petit courant critique qui permet de voir les choses. Dans les pays dépendants, ce courant, il est presque interdit d'expression, parce qu'il met en cause, en fait, l'essentiel, c'est-à-dire la connaissance du niveau de dépendance des classes dirigeantes vernaculaires, des classes dirigeantes du pays. Et, ils ont quand même trouvé un nom à ce courant, un nom générique, ils appellent ça le complotisme. Dès que vous abordez, je relis là en ce moment le livre qui va paraître aussi chez Emmerich, chez Delga, le livre d'Ukigoni. Quand vous regardez le livre d'Ukigoni sur la filière d'exfiltration des criminels de guerre, la filière argentine, le rôle du Vatican, etc., vous allez de page en page. Je ne sais pas, difficile de dire que c'est complotiste. Je veux dire, c'est de page en page, c'est effrayant. Vous regardez les pages sur les vols de trésors. Mais le problème, c'est que les sources sont là. Il ne les a pas inventées. Elles sont concordantes. Voilà.